Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve avec Devil, notre monstre. Il y a un drôle de bruit, il y a un drôle de bruit par là. Notre monstre qui est caché dans un buisson, mais pas tellement caché. C'est bizarre, le bruit il est là, mais pas là. Suspect, suspect. Non, je pense que c'est le chaudron ou je sais pas quoi, il doit avoir une quête de je sais pas quoi là dans le coin. En tout cas, je vais aller voir. Par contre, on en était à où? Presque adulte et on avait un peu faim. Bon. Presque adulte, on avait un peu faim. Faut que je me remette un peu dans le jeu parce que j'ai pas joué depuis. Depuis hier? Non, depuis je sais plus quand. Déjà, pourquoi je veux ramasser des fleurs? J'en sais rien. Voilà. Hop. Mais pourquoi tu mords? Le bruit que tu fais. C'est quoi ce bruit? Alors, je souhaite à Devil de ne pas mourir, hein, mais. Ah, mais il y a un bruit suspect. Moi, s'il y a un bruit, faut que j'aille voir. Les caps champignons là-dedans, il y en a ici? Dans la plaine, je veux dire. C'est quoi ça? Ça va me péter à la gueule? Hein? Pourquoi faire? Il y a de la lave ici. Ah, j'irai pas dedans, hein, ni trop près, parce qu'une fois sur Zia, je suis allée trop près de la lave, je me suis cramée. Instant mort. Il y a de la lave, mais pourquoi faire? Étonnant, non? Dites-moi pourquoi faire. Et les caps champignons, bah faut que je regarde la map, quoi. Vous avez déjà vu de la lave, vous? Non, mais Devil, il est impressionné, quoi. C'est étonnant. Bah ouais, apparemment, des caps, il y en a dans toute la plaine. Moi, ça m'étonne un peu, mais peut-être dans les zones marron. Bah, peut-être pas là, du coup. Dans les zones marron, quoi. Bon, il serait temps, mon petit Devil, que tu tues quelqu'un. Non, je dis ça comme ça. C'est un moment, de toute façon, tu vas avoir faim. Mais peu importe la personne, va falloir la tuer. Ah bah là, en face, c'en est pas, non? Voilà, je disais dans les coins marrons, donc peut-être en face, là. Les caps, c'est pas dans l'herbe, hein. Rarement. Et donc, je me suis arrêtée au milieu de cette plaine. Et en fait, du coup, alors, je pense que c'est pas de la neige, c'est de la cendre, ces machins qui tombent, là. C'est quand il doit se passer des événements comme ça sur la map ou je sais pas quoi, il doit avoir ça, quoi. La cendre qui tombe du ciel et tout. C'est pour ça que c'est gris. J'ai jamais trop remarqué si quand j'entendais ce bruit-là, des fois quand je passe à des endroits, il y a ce bruit-là, j'ai jamais trop remarqué. D'ailleurs, vous m'avez dit une nouvelle capacité disponible à l'achat. Ça veut dire que j'ai l'argent. Pour débloquer ces trucs-là, là. Un nouveau skin, etc., etc. Bon, le skin, il me va. Les capacités, ils me vont. J'ai toutes les capacités. Ça, j'ai du mal à toujours savoir si j'ai toutes les capacités. Ah non, deuxième tête. Ah ouais, mais il m'intéressait pas. Non, mais ça m'intéresse toujours pas, quoi. Je vais quand même le débloquer. Ah, puis je le foutrais où en vrai? Non, non, ça m'intéresse pas. Je sais pas du tout ce que c'est en vrai. Peut-être des jambes, stomp. Peut-être ça, à la limite. Si j'ai rien à faire. Si c'est juste un truc. Ah, bah si, j'ai un truc à faire. On va le mettre sur 7, hein. Pas le choix. Qu'est-ce que c'est ça? Ça réduit les dommages et tout, mais bon, sur 7, c'est un peu chiant par contre. Ah non, 7, c'est ça, c'est mal. Et qu'est-ce que ça fait alors? On sait pas. On sait pas ce que je viens de faire. Aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord. Quand ça fait ça, si je mords, je tourne mieux. Bon, ça, d'accord. Si je suis. Ça, ouais. D'accord.
Ça augmente mes dommages si je suis mordu. Ça, ouais. Bon, écoutez, ça peut pas faire de mal, je pense. Du coup, ah, c'est pas que je vais être mordu, mais j'aimerais bien par contre collecter des rochers. Alors ça, ici, c'est par là, non? Pas du tout. Ah, des rochers, il y en a un peu partout, je crois. Mais là, on voit rien là. On va essayer d'être full adulte déjà. Ça sera déjà pas mal. Grosse bête. Ah là, il y en a, mais il n'y a pas de machin à ramasser. En bas, normalement, non? Ouais, par là, il doit en avoir des rochers, je crois. Là, les quêtes de rochers, c'est pas mes préférées non plus. Des rochers, j'en vois partout, mais je vois jamais de petits tas. Si, mais par ici, c'est sûr qu'il y en a, non? Non? Bah, c'est pas sympa. Ah ouais, non, ça me fait remonter. Étonnant qu'il n'y ait personne dans cette plaine-là aussi. Avec lui, j'ai légèrement peur d'aller dans la grande plaine parce que si je me trouve face à deux Rex ou un Spino, ça va être compliqué à gérer, hein. Je pense. Solo, accro. Je vais être focus direct. Ah déjà, solo Rex, on est focus. Alors accro, pourquoi pas. Et je l'aime bien, mon petit Devil. J'aimerais bien qu'il fasse un combat gagné. Alors, comptant un truc de sa taille, oui, peut-être, mais pas peut-être pas un Rex ni un Spino, quoi. Bah, déjà, un Succo, faudrait peut-être que j'en tue, hein, ils sont chiants. Hein. Faut que j'en chope un hors de l'eau. Ou loin de l'eau. Parce qu'il m'énerve. Il me cherche et... Ils me trouvent jamais, hein. Ce qui est assez rare. Non, j'essaye en vrai de les tuer, mais comme ils se réfugient dans l'eau et qu'ils régènent très vite le succo, bah en fait, ça pourrait durer à peu près 1000 ans. Qu'est-ce qu'il y en ait un des deux qui est vraiment marre et qui vient de mordre dans le tas, quoi. Comme moi, j'ai fait un petit peu que quand je suis allée dans l'eau et tout, mais c'est vraiment pas une bonne chose à faire en vrai. Voilà. Ouais, les roches de sel, hein, ça me saoule. Je sais qu'il y en a dans la plaine, mais enfin dans le truc là, mais bon. Il y en a un peu partout dans ce bordel, mais les roches de sel, j'ai du mal à les repérer. Alors les roches normales déjà. Je sais qu'elles sont striées un peu de blanc, hein. Mais là, c'est pas qu'on voit plus rien, mais on voit rien, quoi. On commence à plus rien voir, en fait. Parce qu'il y a peut-être le volcan qui est en éruption. Et tous ceux qui sont dedans, ils sont cramés. Ça serait beau. Non, c'est pas. Ouais, non, je vais courir après des pierres qui n'existent pas, je le sais. Où est-ce qu'on pourrait aller plutôt? Par là-bas. Moi, je dis, c'est un bon lac où il y a des gens là-haut. Il y a souvent des gens, et souvent des Rex aussi, hein, mais. Là aussi, j'ai déjà croisé des gens. Ouais, pourquoi pas aller par là-haut plutôt, au lieu d'aller là pour une fois. Bon, à vitesse de 1. Je peux pas aller plus vite. Hein. J'étais en train de réfléchir. Est-ce que ce serait pas mieux à la place du machin que je viens de mettre là en capacité de mettre ça? Parce que si le truc de ce tombe, je veux juste voir un truc. Admettons que je me fais choper par derrière. Que les gars, ils ont décidé de me ass ride. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir ça dans ses compétences plutôt? Attendez. Attendez, attendez, on va tester ça. Ouais, je pense. Je pense que ça peut leur faire mal. Parce que je sens que si un petit m'attaque, il va me ass ride. Donc, il n'aura pas tellement le choix, vous me direz. Donc, je pense que ça serait le mieux pour mon dino de pouvoir foutre des gros coups de patte et de les faire se barrer, quoi. Même si ça fait pas beaucoup de. Est-ce que ça fait des dégâts? J'en sais rien. Ça fait des petits dommages, ouais. Ouais. Et il y avait quoi en deuxième? Dans la peau, j'ai deux trucs. Ah, mais attendez, c'est bien ça. Ça, c'est pour mon accélération et tout, c'est pas mal.
Ok, on peut courir plus longtemps. Ça, c'est bien. Celui-là, il est bien. Donc le quatrième. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Attends, bouge pas. Bon, j'ai fait tous les cris et tout. Mais c'est un salaud, lui. Plus, il fait mal, ce connard. J'ai pris un coup de croc, je crois qu'il se tire, hein. T'as profité que je regarde mes capacités. C'est moche. J'en ai débloqué une au moins. Alors, ce qui est chiant, c'est la régène, par exemple, pour lui. Pour mon dino, en tout cas. Il sait pas régène. Le truc, c'est que là, je peux pas regarder à cause de lui, là. Et le temps qu'on sorte du machin, il m'avait foutu déjà 2-3 coups, quoi. Ah. Déjà, ce qu'on va faire. Hop. Pour regarder nos capacités, on va se coller le cul là-dessus. Voilà. On empêchera pas d'arriver de côté, mais il peut prendre cher. Du coup, j'aimerais quand même bien regarder mes trucs. J'avais ça, donc la peau, j'ai dit le quatrième qui était pas mal. Le putain, leur voilà. M'a pas vu? Problème, c'est que j'ai peur de me coucher, quoi. Il m'a mis cher en peu de temps, ce petit. D'accord. Donc il y avait celui-là. Ouais. Non, bah je préfère celui-là du coup, si je peux. Hop. Ah oui, ça. Oui, je le fais, je le fais. Je me couche, mais l'autre il va venir, hein, je le connais. Vite, vite, vite. On va mettre celui-ci. Voilà. Attaque damage boost, etc., etc. Bon, c'est bon. Il y a moyen qu'il me foute la paix maintenant. Hop. Attends, on n'est même pas encore full adulte là. Attendez un peu. Mais il est là, ce con. Ah non, c'est pas le même. Ah si, c'est le même. Si, si, si. Full camp. Ah, ils sont deux. Oh, il a pris cher. Aussi, je vais prendre cher en vrai. Je sais pas tourner. Attendez, il faut que je fasse mon cri. Ce qui fait chier avec ces petites merdes, c'est ce que je vous disais, c'est ça quoi. Faudrait que je me cale contre un. Attendez. Y'avait pas un rocher dans le coin là-bas? Ils vont courir après. Hein. Attendez que je me tourne, attendez que je me tourne. Hein. Voilà, ça sera mieux pour tout le monde. Ah, ça va être chiant à choper. Ils vont me tuer en vrai. Faut que je les bloque dans un coin en fait. Il est parti où l'autre? Bougez pas!
Attendez, encore mieux. Là. Attendez. Ah, attends, laisse-moi me placer, s'il te plaît. Sois pas tricheur. Viens. Voilà, là c'est bien. Je sais pas s'ils prennent cher de l'attaque. Moi, oui. Même si je les vois pas arriver. Ouais, salut. C'est juste que je suis sûre que tu es en train de dire à ton pote de venir. Surtout que, en vrai, je pense que ils peuvent me tuer puisque je sais pas, ils régènent pas mon accro, hein. Il est très nul en régène. Les deux Kalenkan, c'est ce que je vous dis, les petits trucs sont les plus dangereux. C'est parti? Non. Bon, ça marche. Ah, oh, c'est un autre truc. Ah, je regarde que les Kalenken n'arrivent pas, quoi. Voilà. Ah bah, ils sont allés attaquer l'autre. Tiens, passage. Je sais pas si tu fais partie du groupe. Non, ils sont partis attaquer l'autre. Bon. Mais c'est pris un coup gratuit, lui. Le pauvre. Ça a dû les aider. Ouais, bah j'étais pas sûre. Hein. Moi, tout le monde m'arrive dessus, tout le monde m'attaque. À un moment donné... Puis y a aucune règle hein, qui dit qu'il faut pas interférer dans un combat. Donc... Moi, je le fais pas en général. Bon, bah, du coup, la flotte est devenue... Comment? Est devenue lave. Je vais me barrer en attendant, hein. Faudrait que je mette toutes les habilités en vrai, mais... C'est dingue qu'un coup de crawl les tue pas, quoi. Vous avez vu la taille de ma bouche et la taille du piaf? Ça devrait leur faire tellement mal. Ça en assure pas pour la suite, ça. Hein. Peut-être le coup de griffe aurait été mieux, genre le bleed. Mais il faut que je trouve un truc qui régène mieux, que mon accro régène mieux sa... Comment? Sa santé, c'est pas possible. Ça monte très très doucement. En vrai, si vous avez un groupe de raptors, c'est mort, par exemple. Déjà, deux Kalenken m'ont mis mal. Donc, un groupe de raptors, par exemple, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a de la lave partout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que c'est cet effet-là, en fait. Donc, bon à savoir, côté Kalenken, quand on le rejouera avec Kara et tout, les coups de croc d'un accro nous tuent pas, nous one-shot pas. Non, mais si jamais. M'étonnerait qu'on s'attaque à un accro parce qu'on en a pour 8 heures à le manger, mais admettons qu'on se dise, bon, allez, c'est pas grave, on va quand même le manger en 8 heures. Ouais, j'espère qu'ils vont pas revenir, ils ont quand même attaqué l'autre. Je pense qu'ils l'ont tué. On est bientôt adulte. Alors, du coup, je veux regarder mieux les capacités. Ouais, mais ça, je vois pas l'intérêt en fait. Franchement. Mais ça me fait mal. Ouais, puis ça met du bleed. Non, je préfère celle-là. Hein. Je peux rien y faire. L'autre m'intéresse pas. La queue. Turn radius. Ça peut être pas mal pour les repousser. Ça fait des petits dommages, mais... Ouais, je vais débloquer ça si je peux. Par contre, faut que je la cale quelque part maintenant. Le stomp est pas mal. Le cri, je peux le mettre là. Hop. Et vite, parce que j'entends des trucs. Et caps lock la queue, est-ce que je vais y penser? Dans caps lock, je vais mettre le stomp.
et la queue en 7. Voilà. Bon, en espérant qu'il pense. Il y a trop de touches. Il y a trop de touches pour une souris, en fait. Là, sur ma souris, j'en ai 3. Après 4, ça sera le cri de départ, on va dire. En vrai, le cri, je devrais le mettre en cri énervé, mais... Je ferais bien de régène dans un coin hein, avant de repartir. Bah, peut-être pas là parce que là je grandis pas. Mais... Par là quoi. Putain, je les tuerais bien les Kelenken. Le truc c'est que on va peut-être y retourner. Faut que je les tue. Mais le truc c'est que je pense qu'ils ont un corps. Et qu'ils sont capables de me tuer encore une fois. J'ai changé ma peau, je me suis mis un... Celui-là là. Heal boost. C'est le seul qui fait ça, quoi. C'est pas mal. L'autre, il nous donnait un peu d'armure. Ouais, un peu d'armure et de la résistance. Mais le heal boost pourrait être mieux. Parce qu'il sait pas... le boost, tout simplement, de... Ah. Ah si, je l'ai bien dit. Le heal boost. Bah, ça aide à mieux régène parce qu'il est trop lent à régène, quoi. Si je me fais attaquer, j'ai pas le temps de régène quoi que ce soit pendant qu'on me tape. Bon après, en général, vous voyez à la vitesse où ça remonte, c'est pas terrible, mais c'est déjà mieux que là, il y a 5 secondes, quoi. Oui, je suis adulte, mais toujours pas régène, mais adulte. On va aller boire, hein, tant pis. Ça se régène en marchant. Hop, hop, on voit juste une patte qui dépasse des arbres. Derrière toi. Il y a de l'eau. Ah mais maintenant c'est de la lave, non? Ah, j'en sais rien. Je sais pas si je vais recroiser les piafs ou pas, mais bon. J'ai entendu un truc. Ah oui, j'ai entendu un truc, oui. Désolé, j'ai faim. Viens. Non, viens. Ah, mais viens. Mais ouais, mais j'ai faim. Putain. Ils vont tous se barrer. Bon, bah, j'ai soif. Mais voyez, ça one-shot que dalle. Hein. Ils one-shot pas, eux. Hein. Oh, je pense que je lui ai fait mal, mais... Après, j'avais rien activé de spécial, mais bon. Quoi? La qualité de l'eau est trop faible? Mais je vais mourir soif? Comment je fais? Sérieux? Tout ça parce qu'elle a cendre, je parie. N'importe quel lac, je suis sûr que c'est pas bon. J'aime bien les gens, ils se prennent un coup de croc dès qu'ils me passent à côté. Non, mais c'est bon. Hein? Ah, oh, le pachy. Je pense qu'il peut faire mal aussi, mais... Bah, je monte, alors. On va aller au lac. Hein. Je commence à avoir faim, c'est stressant, quoi. Reprends ta stam ou jamais... Oh, il est lent pour tout, hein. J'ai quand même un boost de régène et tout, hein. Je sais pas si le Rex était si lent pour régène. Pas tellement souvenir, mais... J'entends crier, mais je sais pas qui. Oh, ça brûle! Attendez, je sais pas qui me crie dessus, mais c'est surtout que ça crame, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça me crée dessus. Ouais. Mais je te vois pas! Et qui es-tu? Parce que je te vois pas. Sors de ton trou. C'est qui? Ouais, il va sortir sûrement. Hein. Attendez que j'aille pas me brûler les fesses quand même.
sais pas qui me crie dessus. Dans le doute, on va se foutre comme ça. Mais qui? J'ai pas trop le temps, je commence à avoir faim et tout. Il y en a un qui était vénère. Mais je te vois pas! Ou c'est pas sur moi que ça crie? Attends, hein. Si c'est sur moi, j'aimerais savoir qui tu es déjà. Il la lave partout en bas. Je fais le tour de mon arbre. Comment je peux descendre de là? Sans me tuer, quoi, je veux dire. Je sais pas qui crie. On est où, là? On est au marais? Ah, pas mal. Pour ce qui est de la bouffe, en tout cas, ou de la soif, mais... Bon, je sais pas qui m'a crié dessus. C'est quand que ça s'arrête? C'est chiant, du coup, la cendre et tout, là. Un petit peu chiant. Oh, mais c'est pas sur moi que ça crie, c'est pas possible. C'est vous qui crie? Non, c'est peut-être eux qui se battent entre eux, ou je sais pas quoi. C'est les maïps, là? Vous battez contre quelqu'un ou pas? Parce que moi, je fais le cri et j'arrive, hein. Après, ils font très mal, eux. Hein. Pourquoi lui, il dort? Il y a ton pote qui dort, non? Non, il dort pas. Oh, poussez-vous. Vous vous battez avec quelqu'un ou pas? Vous voyez, c'est ça les questions que je me pose. Le problème, c'est que eux, ils vont peut-être pas se la poser. Voilà, je vous laisse descendre. Je sais pas s'ils étaient pas en train de se battre avec un mec en bas, en fait. Je vais vers l'eau aussi, hein. Donc si jamais le combat est fini, j'arrive. Hein. Obligé d'aller par là, hein. Ça, c'est chiant, par contre. Comment on peut descendre? Ils sont descendus par où? Ah, pour le coup, ils vont penser qu'ils les suivent, hein. Mais c'est faux. Alors là, vous êtes descendu? Mais moi, je vais me tuer, là. Il n'y a aucun moyen que je descende, moi, sans me tuer, je veux dire. On va tenter, hein. Je n'ai pas tellement le choix. Je trouve pas de coin pour descendre, donc... voilà. Ah, je me suis fait un peu mal. Ah bah, c'était obligé, hein. Il y a zéro coin pour descendre, je comprends pas. Je comprends pas leur marais, là. Par contre, l'eau est salée au marais. À part au milieu, mais elle va plus être bonne, c'est sûr. Avec la cendre. Ça commence à me stresser de pas avoir d'eau, hein. Ah, mais c'est quand même un sacré bordel. Même le marais, il est en feu. Comment on boit? Ah, il y a du feu partout. Oh, je pense que l'eau est imbuvable. Ouais. Il y en a plein qui vont crever de soif, hein. Non, mais sérieusement. C'est pas possible. Ça, c'est même pas l'eau du marais, mais... Oh, je vais au moins aller manger, hein. J'ai tellement envie de passer par l'eau, par contre. Nope. Non, ça pue. Ça pue. Non, mais au moins manger la carcasse, quoi, je voulais dire, mais... Alors que je passe par ailleurs.
Me dites pas que c'est par là que j'aurais pu descendre tout à l'heure. Bon, là, ça se passe pas. Ah, c'est galère là. Juste pour l'eau, déjà, c'est chiant. Ça fait à peu près une heure que je joue. Non, mais pour de vrai. Et il y a toujours rien quoi. Enfin, il y a toujours plus d'eau potable ni rien. J'arrive pas à faire le tour de cette foutue moisie montagne. Donc je suis obligée de passer par là, quoi. Bon. C'est quitte à boire de l'eau salée, hein. C'est pas le problème, hein. C'est vu que ça se calme pas, leur truc, là. Et ça régène que dalle, hein. J'ai l'impression, mais 20% de régène, mon cul, ouais. Je suis blessée, là, ça devrait régène vite, hein. Ça a toujours pas régène depuis tout à l'heure, hein. J'étais couchée et tout, j'ai eu le temps de faire d'autres trucs à côté. Bon, là, il y a de l'eau, mais... Ça me dire que l'eau est impropre à la consommation ou je ne sais quoi. Franchement, quand on meurt de soif, hein, on s'en fout un peu, je pense. Avec la chance que j'ai aujourd'hui, il va y avoir un croco. Non, David, là, t'es pas chanceux. Bah, de l'eau salée. Vas-y, hein. Je pense que c'est toujours mieux que rien. Donc peut-être que l'eau du marais aurait été buvable, hein, mais... Celle du milieu, en tout cas, mais j'arrive pas à y aller. On peut tenter, hein. On peut tenter. Alors, traverser l'eau, bon, c'est pas terrible, mais... Vas-y, y a pas le choix. Hein. Là, je suis pas terrible, mais... Je peux quand même tenter, quoi. Ça va, ça va. On a connu pire en nageur. Je pense qu'elle est impropre. Hein. Mais bon. On va se rapprocher de la carcasse, c'est pas grave. Ah, pas de chance, hein. Entre tous les petits et tous les machins que j'arrive pas à choper. Et je pense que c'est même pas la peine d'aller voir, hein. Ça enflamme là-haut. Ah! Non, mais ça s'arrête pas. Hein. Non, franchement, ça fait une heure et demie. Et ça ne s'arrête pas. Le problème, c'est que je voulais me battre, certes. Regardez, il y a de la lave partout, toujours. Me battre, oui, mais c'était surtout... comment? Bah, pouvoir survivre. Alors, vous pouvez survivre de... Comment? En buvant l'eau salée. Ça, c'est pas un problème. Si vous remplissez à fond... Elle descend quand même... au départ, elle descend, et ensuite, ça s'arrête, là. Enfin, moment que je garde mon eau. Le problème, c'est que c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Donc, on va s'arrêter là, je pense, hein. Parce que ça va être chiant. C'est un petit peu chiant. On voit rien. C'est morose. C'est triste. David vit un enfer. J'ai pas tellement envie de tomber dans l'eau, par contre. Ah. Avec lui, ça va pas être facile. Hein. Bon, je l'ai fait. Non, je l'ai fait, c'est tout. Alors déjà que c'est pas régène ce truc. Bah tiens, on va essayer. Est-ce que je peux la boire? Vous m'avez dit que ça pouvait me régène ça, non? Ça me fait un peu peur, hein. De boire de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Pour l'instant ça fait rien. Vous avez dit que l'eau d'ici ça a aidé à régène ou je sais pas quoi. Je sais pas si c'est une connerie ou quoi, en tous les cas ça m'a marqué eau et boire. Donc c'est peut-être de l'eau potable. Bizarre. Bizarre, en tout cas j'ai pris cher, il va falloir que je régène du coup. Ou alors faut nager dedans. C'est toxique hein. C'est toxique mais j'essayais. Ah je sais pas. Aucune idée de si ça m'aide à quelque chose ou quoi. Par contre, il a perdu 1000 life en tombant de 2 cm. Ça, c'est hyper dangereux avec celui-ci. Je comprends avec son poids. Hein. Je pense que ça vient de son poids, justement. Moi, je vais nager là-dedans. Si je me trempe les pattes, ça régène plus vite. On peut se coucher dans l'eau.
Non, mais tant qu'à faire, hein. Autant vivre un enfer jusqu'au bout. Je crois que ça va être le titre de la vidéo, hein. Devil vit un enfer. Oui, il respire avec les pics. Vous inquiétez pas, c'est des tubas. Ah, sérieux, il vit un enfer, pauvre bête. Mais d'ailleurs, on va devoir s'arrêter là. Ça fait combien de temps qu'il vit un enfer pour vous? 35 minutes? Eh ben écoutez, il n'y aura pas eu de combat vraiment. Ouais, il est sous l'eau, ouais. Voilà. Il est sous l'eau. Il n'y aura pas eu de combat vraiment, mais on tentera d'en faire un la prochaine fois, j'espère, en tous les cas. Qu'on y arrivera mieux la prochaine fois. Parce que je suis quand même tombée sur deux Kalenken, ça aurait pu le faire. Mais après, bon, bah du coup, quand j'en ai mordu un, après ils se sont barrés. Et en plus, je pense qu'ils auraient gagné, encore une fois. C'est dommage qu'ils continuent pas. Bon, peut-être quand je leur fous un coup de croc, ça leur fait mal, mais. En tous les cas, on va s'arrêter là. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à marquer enfer en commentaire si vous êtes encore là pour cette fin de vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Lee et Devil sous l'eau. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aussi voulez faire partie de la liste des gens exceptionnels que vous voyez défiler sur le côté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre de la chaîne. C'est de 0,99 centimes par mois à 14 euros. J'ai mis les prix les moins chers pour que vous puissiez me soutenir. Et surtout, du coup, qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Bah, ça vous donne l'avantage d'être membre de la chaîne et non pas abonné lambda, on va dire. Membre de la chaîne, c'est quoi? Bah, c'est que vous avez les vidéos en avance. Toutes les vidéos que vous voyez en abonné, vous les avez déjà en avance, 4 jours avant en général, ou 3 jours avant, ça dépend un petit peu de l'avance que j'ai, mais vous pouvez les regarder quand vous voulez, et vous avez ainsi de suite bah, toujours les vidéos avant les autres. Donc ça vous fait une petite compensation, on va dire, avec les 99 centimes que vous payez pour soutenir la chaîne, et qui font que cette chaîne continue. Merci à vous. D'ailleurs, si vous aimez le contenu, si vous aimez la chaîne et si vous aimez la personne, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rejoindre. Sinon, quoi dire? Sinon, les abonnés lambda, je vous vois. Alors, il y en a, vous n'êtes pas abonnés, les mecs. Vous regardez les vidéos, mais vous cliquez pas. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez sur le bouton abonné, ça soutient aussi énormément. Et ce qui soutient aussi beaucoup, c'est ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin. Là, par exemple, c'était pas la fin. Enfin, si, ça va être la fin, mais j'ai bugué. Coupé. Bah, coupé. Non mais vous, coupez, c'est la fin de la vidéo, je dirai rien d'autre. Promis, je dirai rien d'autre après la fin de la vidéo. J'arrête de parler alors. Allez, coupez.